Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara annonce les élections sénatoriales pour le 16 septembre 2023. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Bardet-R, cérémonie solennelle d'ouverture de la session 2019 du Sénat en présence du Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, jeudi 11 avril 2019. Yamoussoukro, la cérémonie solennelle d'ouverture de la session 2019 du Sénat s'est tenue en présence du Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara. Les élections sénatoriales pourront donc être programmées pour le 16 septembre 2023 avec la participation de tous les partis politiques, a annoncé le président de la République, Alassane Ouattara, lors de son discours à la nation à la veille de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, ce dimanche 06 août 2023. Selon M. Ouattara, les sénateurs ont été maintenus en fonction depuis décembre 2020 en attendant le renouvellement des conseillers régionaux et municipaux. En effet, le 2 septembre prochain, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour renouveler les élus locaux que sont les conseillers régionaux et municipaux. Je souhaite que toutes ces élections se déroulent dans un climat de paix et de fraternité. Il y va de la consolidation de nos acquis démocratiques. C'est pourquoi le chef de l'État a appelé au sens des responsabilités de tous les candidats, des partis politiques et de l'ensemble des compatriotes. Au dire du président de la République, les institutions sont le socle de la nation. Elles assurent la protection des citoyens et garantissent les droits et les libertés de toutes les Ivoiriennes et de tous les Ivoiriens. En effet, dit-il, la récente modification constitutionnelle, qui vient d'être adoptée par le Parlement réuni en Congrès, permettra plus d'efficacité dans l'examen des projets de loi soumis au Parlement par le gouvernement, en faisant coïncider la période de travail parlementaire et celle du travail gouvernemental.